Chers habitants de Saint-Pierre-d'Albigny, au début c'était presque l'hiver encore. La neige sur les montagnes, mon horizon. Je suis allée repérer les horaires de la poste, de la banque, du petit magasin, de la fromagerie. La nuit, j'ai écouté les orages fracasser les murs. J'ai vu des douves emporter le château vers d'autres époques. Je venais d'arriver, toute étonnée de n'être pas là depuis toujours. J'ai marché plus loin, dans la chaleur du printemps. J'ai pris des sentiers au hasard. J'ai échangé avec l'homme qui soignait le pommier de son jardin, avec cette femme le long du chemin. J'ai découvert des rochers en forme de salamandre. Je les ai escaladés et j'ai vu des jeunes filles qui promenaient des lamas. J'ai vu un renardeau jouer à quelques mètres de moi pendant que je lisais ailleurs que Henri Michaud. J'ai vu des centaines de parapentes, comme autant de mésanges dans le ciel. Dans la pénombre, nulle ville pour éclipser les étoiles. J'ai vu des lueurs au loin briller, puis mystérieusement s'éteindre, sans que le jour n'apporte de réponse. Peu à peu, la vie ici devenait romanesque. J'ai voulu écrire sur ce que je voyais, aller plus haut, là où les arbres ne poussent plus, là où s'envolent des oiseaux. Mais il a bien fallu rester à l'intérieur aussi, profiter de toutes les chances que me donne cette résidence, celle d'être au calme, dans la solitude, dans le confort des alus, pour m'approcher de la fin de mon roman, en cours depuis longtemps. Et c'est déjà la fin. Bientôt je retournerai chez moi. Les échanges, vos fruits, vos lumières, les animaux, les chemins de fer abandonnés, les châteaux de l'histoire et les châteaux gonflables au bord du lac. J'emporterai leurs voix, leurs silhouettes, leurs ombres passagères pour nourrir la fiction. Car désormais, grâce à votre accueil, grâce à la merveilleuse hospitalité de Stéphane Grandville, Saint-Pierre d'Albigny est une ville dans le monde. Et dans mon imaginaire, un monde. Je vous remercie.